que Jésus m'aime. Au bonheur suprême, l'ami aime me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Cela suffit que Jésus. Richement. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu infaillible. Toutes les paroles sorties de sa bouche sont la vérité. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi particulièrement les bien-aimés qui nous suivent sur les écrans. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Soyez en paix. Et ouvrez vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. S'il y a de nouveau au milieu de nous, nous nous levons pour lire la parole, pour honorer cette parole, parce que la parole est Dieu. Et le prophète de notre temps nous a instruit là-dessus. Il dit le même que nous respectons les drapeaux des nations, des pays. Ça, c'est notre drapeau pour notre royaume. Et quand nous lisons la parole, il faut qu'on soit debout. Nous allons prier le Seigneur. Père bien-aimé, tu es le Dieu vivant. C'est vrai que tu étais mort, Seigneur Jésus. Mais tu es ressuscité des morts. Et tu es vivant pour toujours. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Parce que nous ne sommes pas venus adorer un mort. Nous sommes venus adorer un vivant. Celui qui vit au siècle des siècles. Sois avec nous ce soir. Bénis chacun, Père. Bénis la parole que nous allons lire et descends pour que tu puisses nous parler afin que nos cœurs soient consolés et que la paix revienne à chacun de nous. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis cette parole que nous allons lire. Et donne-nous le contexte afin que nous soyons édifiés et que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir quelque chose ce soir qui va le garder dans sa vie et qui va l'approcher encore davantage de toi. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 22. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Mais ici, nous allons lire seulement le verset 1 à 9. Psaume chapitre 22. Banzembo mokapo na tukumi bale na mibale. Bon, ici on commence avec le verset 2. Awa babandina nzela mibale. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Zambé nangai, zambé nangai, ponanini otiki ngai. Et t'éloignes-tu sans me secourir? Pe otangui musika kozanga kusunga ngai. Sans écouter mes plaintes. Kozanga koyoka kolela nangai. Mon Dieu. Zambé nangai. J'écris le jour et tu ne me réponds pas. Nazali koganga na moi, ozali koyanola ngai te. La nuit et je n'ai point de repos. Butu pe nazana bopé mité. Pourtant tu es le saint. Zokande ozali mosanto. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ovandaka nakati masanjoli na Israël. En toi s'est confié nos pères. Nakati na yo batata na biso bachaki elikia. Il s'est confié et tu les délivrais. Bachaki mitema pe okangola kibango. Il criait à toi. Bazalaki kobelele pa na yo. Et ils étaient sauvés. Pe bazalaki obikisama. Il s'est confié en toi. Et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. Tiens, Elikia ne pas na Yahweh. L'Éternel le sauvera. Yahweh akobiki saye. Il le délivrera. Akokangola ye. Puisqu'il l'aime. Po ete alingi ye. Que Dieu bénisse sa parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tikete nzamba pambola lobane na koma ko Jésus Christ. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Comme je vous l'avais dit. Denge na yisa kino yango. C'est la semaine de Pâques. Ezali poso na Pasika. Il est vrai que c'est Dieu qui a institué la Pâque. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, et on appelle cela la Pâque de Juifs. Et quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il allait aussi à cette fête de Pâques. Parce que Jésus est né dans l'Ancien Testament. Il est né sous la loi. Il est né et il a été circoncis le huitième jour. Et 30 jours après, il a été présenté au temple. Donc on a fait de lui tout ce qu'on fait dans la loi. Mais après, c'est lui qui sera l'auteur du Nouveau Testament. Donc, il est la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand il était né, il n'était pas encore le testateur. Il n'y avait pas de testament. Parce que pour faire un testament et que ce testament soit valable, il faut mourir. Quand un père fait un testament, que telle chose appartiendra à tel enfant, après ma mort, il y aura ça et ça. Tant qu'il n'est pas encore mort, même si vous lisez le testament, ce testament n'est pas valable. Tu ne peux pas avancer pour aller récupérer la chose. Oh non, c'est mon père qui a écrit dans le testament. Je vais prendre ça. Non, ton père n'est pas encore mort. Donc ce testament n'est pas valable. Le testament ne sera valable qu'après la mort du testateur. C'est pourquoi nous parlons du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est rendu valable après la mort de Jésus-Christ. Et quand Jésus allait à la fête de Pâques, selon la loi que Moïse a donnée, il mangeait le pain.
le pain sans levain. Les vigno, parce que durant la semaine des Pâques, na tango, na eleko, na il n'y avait pas de levain dans les maisons des enfants d'Israël. C'était une loi. Donc tous les pains qu'on préparait, c'est exactement comme le pain que nous mangeons à la Sainte Cène. On n'y mettait pas du sel. On n'y mettait pas du sucre. On n'y mettait pas de l'huile. C'était un pain sec. Et un jour, il y a eu une Pâque que Jésus a appelé la dernière Pâque. Et il a dit à ses disciples, pendant tout ce temps que j'ai été avec vous, j'ai désiré toujours voir cette Pâque. C'était une dernière Pâque. Alors, Nabongo, il devait maintenant instituer une autre Pâque. Et c'est pourquoi notre Pâque est différente de la Pâque des Juifs. Les Juifs se reposaient, se réjouissaient à cause de leur sortie de l'Égypte. C'était comme l'anniversaire de leur indépendance, de leur sortie de l'Égypte. Mais nous ne fêtons pas ça. Ce que nous sommes en train de fêter, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de fêter. Donc c'est différent. Amen. Je voudrais lire quelque chose. Parce que nous ne venons pas ici pour nous contempler les uns les autres. Chers frères, chères sœurs, vous devez savoir pourquoi vous venez ici. Dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, est-ce que vous croyez aux prophètes? Nous ne sommes pas de ces gens-là qui se disputent les choses avec les prophètes. Nous sommes de ces groupes-là qui croient aux prophètes. Qui croient que tout ce que le prophète a dit est la vérité. Et nous attachons à ça. Au paragraphe 42 de la prédication ce jour-là sur le calvaire, alors frère Branham parlait du calvaire. Il dit, et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, Calvario, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour nous? Parce qu'il fallait que Jésus meure. Si aujourd'hui nous fêtons sa résurrection, c'est qu'il devait d'abord mourir. Mais qu'est-ce que sa mort signifie pour nous? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la mort de Jésus. C'est pourquoi j'ai donné le titre à cette prédication. Que le prix payé, mes péchés pardonnés. Le prix payé, mes péchés pardonnés. Amen. Et tout cela s'est passé au calvaire. Tout cela s'est passé à la mort de Jésus. Et
Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et bien, des grands hommes. Batomine, et même des hommes de Dieu. Batonanzame, leur mort bango, ne nous signifiait rien. Et mais il y a eu un homme qui est venu dans ce monde. Sa mort ye, signifie quelque chose pour nous. Et signifie quelque chose pour toute l'humanité. Et alors nous devons voir cela. Il dit, en effet, je suis certain qu'à cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas quelque chose de Dieu. Ils parlent de Dieu comme si c'était un Dieu qui est déjà mort. Dans leur vie, chacun fait ce qu'il veut. Or, quand nous parlons de Dieu, nous devons nous réaliser que ce Dieu-là est vivant. Et qu'il vit. Il agit. Et que toute notre vie est contrôlée par lui. Mais nous faisons des choses comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu ne voit pas ce que nous sommes en train de faire. Or, nous devrions faire participer Dieu dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans que Dieu soit présent? Sans qu'il le sache? Quoi? Votre commerce? Vos études? Qu'est-ce que vous faites? Dieu connaît tout ce que vous faites. Et son désir à lui est de vous conduire dans tout ce que vous faites. Mais l'homme ne veut pas ça. L'homme veut faire comme s'il était seul. Comme si Dieu n'était même pas là. Non, ce soir, n'oubliez pas ça. Dieu est à côté de toi. Même quand tu vas aller prendre un verre de bière, il est avec toi. Dans tout ce que tu fais, dans tous tes déplacements, il te suit. C'est pourquoi quand tu fais des choses qui sont contraires à la parole, Dieu n'est pas content de toi. Et pourtant, il veut être content de toi. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça. Pour voir ce qui est pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi nous venons ici. On va nous lire la parole pour nous montrer le programme de Dieu pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce qu'il veut que nous fassions. Les promesses qu'il a données pour vous. Et ce que nous voulons savoir. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Quand vous venez à l'église, en sortant, vous deviez connaître ce que Dieu a promis pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi. Dieu est mort pour nous. Il faut que nous le sachions. Dieu a des promesses glorieuses pour nous. Nous devons les connaître et nous attendre à ces promesses. Oh frère,
C'est pour ça que les prédicateurs prêchent. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture. Et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple. Quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leur péché, mais ça les aiderait à se relever afin qu'ils abandonnent leur péché et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Donc quand vous venez ici, venez avec l'espoir que le prédicateur a déjà demandé à Dieu quelque chose qui va m'aider. Ne venez pas comme ça. C'est pourquoi vous devez prier pour le prédicateur. Seigneur, accorde-lui quelque chose aujourd'hui qui va donner une solution à mon problème. Et Dieu le fera. C'est ça l'église. Ce n'est pas un rassemblement seulement des hommes comme ça. Nous venons ici avec un objectif. De connaître la volonté de Dieu. De connaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. De connaître ce que moi, je dois faire pour Dieu. Pour qu'il soit heureux. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Ainsi, mes bien-aimés, l'homme a péché. Depuis le jardin d'Eden. Toi, tu n'étais pas là. Yo, zalaki wanate. Moi, je n'étais pas là. Gana, zalaki wanate. Ceux qui ont péché, c'est Adam et Ève. Bah, oba, sumo, keke, zay, Adam, ana, ewa. Mais, Kasi, quand nous naissons, wana, tobota, maka, nous naissons avec cette nature-là adamique. Tobota, maka, na, lolenge, wana, ya, Adama. Donc, nous sommes nés pécheurs. Eli, koloba, tobota, mi, ba, sumo, que vous le vouliez ou pas. Olinga, yango, tote. Né pécheur. La Bible dit, nous sommes formés dans l'iniquité. Car ce n'est pas la volonté de Dieu que nous venions au monde de cette façon. Donc, nous sommes venus par le péché. Et nous sommes nés à proférer les mensonges. On ne vous apprend pas à mentir. Personne ne vous l'a appris. Quand ce n'est pas le mensonge que Ève était tombée. Et cette nature-là, nous l'héritons. Au moins, je n'ai jamais péché. Donc, pour Dieu, tout homme est pécheur. Même si tu n'as pas menti hier, mais tu es menteur. Et nous sommes nés menteurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés loin de Dieu. C'est quand l'homme a péché que Dieu l'a chassé de sa présence. Donc quand l'homme est né, il est loin de la présence de Dieu. Mais qui va l'amener à la présence de Dieu? Qui va l'approcher de la présence de Dieu? Dieu avait une loi pour un pécheur. Avant que vous puissiez vous approcher de Dieu, il faut qu'il y ait le sang qui soit versé. Et au jardin d'Éden, c'était le sang des animaux. Le sang des brebis. Et qui préfigurait la véritable brebis qui a été immolée avant la fondation du monde. À cause des péchés des hommes. C'est pourquoi
Quand vous venez à Christ, la première chose que vous devez reconnaître, je suis pécheur. Je suis pécheur. Par nature, je suis pécheur. Et vous devriez pleurer. Vous devriez regretter. Parce que vous étiez loin de Dieu. Tout ce que vous faisiez, Dieu n'agréait pas ça. J'étais loin de la présence de Dieu. J'étais coupable. Je ne pouvais pas communier avec Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Et tu étais sans Dieu. Sans Christ. Dans ce monde. Tu errais. Tu savais où aller. Quoi faire pour vous approcher de Dieu. Et vous ne connaissiez même pas Dieu. Et pourtant, en vous, il y avait la semence de Dieu. Et pourtant, quand Dieu vous regardait, vous étiez ses enfants. Mais vous étiez loin de lui. Et pour que Dieu puisse vous recevoir, il fallait que quelqu'un meure. Mais qui pouvait mourir pour toi? Qui? Nani? Personne. Motote. Quel homme qui pouvait mourir pour un autre homme? Il n'y en a pas. Azalite. Il n'y en avait pas. Azalakite. Mais pour accomplir la loi de Dieu, il fallait que quelqu'un qui viendra mourir pour vous, qu'il soit sans péché. Parce que celui qui est un pécheur ne peut pas mourir pour un autre pécheur. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Il a fallu un homme parfait qui n'a jamais péché et qui devait se donner comme un sacrifice d'expiation. Quelqu'un qui devait prendre votre culpabilité. Qui pouvait prendre vos péchés. Et vous donner vous son innocence. Vous donner vous sa bonté. Lui, il prend vos péchés. Et il vous donne sa bonté. Il vous donne sa justice. Lui, il devient porteur de péché, mais toi tu deviens justice pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. C'est la grâce de cet homme-là. Il veut tout simplement te sauver. Il a vu que tu étais incapable de te sauver toi-même. Et pourtant, quand il te regarde, tu étais dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Mais qui peut te sauver? C'est pour cela que Dieu a pris la décision de devenir homme. Il a abandonné sa gloire. Il dit, je dois devenir homme pour sauver l'homme. Je dois devenir homme pour sauver homme, l'homme. Pour sauver mes enfants. Je dois me sacrifier. Je dois devenir comme eux. Goûter ce qu'ils goûtent. La douleur du péché. Passer par là. Alors, ils ne pouvaient pas supporter cette sanction-là. Mais moi, je peux le faire à leur place. C'est pourquoi Jésus, il est mort d'une mort atroce. Aucun homme ne peut mourir comme lui. Tout cela, c'est pour vous sauver. Lisons quelque chose dans Vivant, Mourant, Asseveli. Oh, c'est merveilleux. Beaucoup de gens viennent à Jésus sans se réaliser la scène qui a eu lieu
au calvaire. Kozanga kososola o esama ki na Golgotha. Si vous ne le faites pas, soko sali angote, vous ne ferez rien ici. Okosale loko awate. Parce que vous devez vous réaliser ce qui s'est passé. Po osengeli kososola o esalema ki. Je suis au paragraphe 25. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. Et c'était là, par la mort. Pas la mort de n'importe qui. Mais la mort de Dieu lui-même. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il devait mourir. Pour payer le prix. Pour vous racheter. Oh frère. Ndeko. Vous êtes tellement important. Ozali penza na motu ya mingi. Et vous coûtez tellement cher. Pe ozali penza na talo monene. Que rien au monde ne peut vous racheter. Pour vous ramener à la vie. Rien du tout. Il n'y a pas de pierre précieuse. Sur cette terre. Qui peuvent vous racheter? Rien du tout. Aucune richesse au monde qu'on pouvait donner pour vous racheter. Tu étais dans les mains de Satan. Et tu coûtais cher. Très cher. Qui pouvait t'acheter? Qui pouvait payer le prix? Et le prix exigeait la mort d'un innocent. Mais qui était innocent dans le monde? Mon père ne l'était pas. Mes frères ne l'étaient pas. Mes amis ne l'étaient pas. Aucun homme sur la terre. Aucun prédicateur. Personne ne peut sauver un autre homme. Alors cela exigeait la mort de Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu étant un esprit, ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour pour prendre toute la bonté qu'il avait, toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Tous nous sommes pécheurs et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvé, il n'est pas venu sur la terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. C'est le but de Jésus. Il dit, lorsque l'agneau de Dieu, je suis au paragraphe 27, lorsque l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, est venu prendre la place des pécheurs coupables, qu'il a été brisé, meurtri, ridiculisé, bafoué, et qu'il a connu une mort qu'aucune créature ne pouvait connaître sauf Dieu lui-même, et que ses cheveux qui tombaient sur ses épaules étaient pleins du sang qui dégouttait par terre. Cela exprima combien horrible est le péché. Lorsqu'il dut mourir pour acheter l'homme d'une vie de péché, aucun être ne pouvait mourir comme cela. Aucun être ne pouvait supporter cette mort. Il est dit que lorsqu'il transporte il transperçait son côté, il a sorti du sang et de l'eau. Donc l'eau et le sang se sont séparés. Qui peut mourir comme ça?
Et c'est pour cela, pour yangonde, Frère Branham me dit malabi, que ce n'était pas la lance romaine qui l'a tué. Ezaki mbanzi abaloma tende bomakiye. Non. Te. Il a tellement aimé l'homme. Il a aimé les hommes pécheurs. Et il est venu pour les sauver. Mais ces pécheurs l'ont rejeté. Alors qu'il est venu pour les sauver. Et Frère Branham me dit, c'est à cause des chagrins qu'il est mort. Ce n'était pas la lance romaine. Le chagrin de voir l'homme que lui aimait, l'homme pécheur. Il vient pour donner sa vie. Lui, Dieu qui est saint, il abandonne sa gloire pour un pécheur. Mais ce pécheur le rejette. Crache sur lui. Oh frère, quel chagrin. Et c'est ça qui l'a tué. Yango nde bomakiye. Si aujourd'hui, ce soir, soki lelo na poko oyo, vous pouvez saisir okoki kosimba ce chagrin-là, pasi wana, quelque chose va vous arriver. Eloko moko okomela yo. Si vous pouvez aller jusqu'au calvaire, soki rokene kino na Golgotha, voir comment Jésus souffrait, comment la ndenge Yesu azoko nyokwama, honte sur la croix, na soni penza de kulusu, nu devant tout le monde, olumu liboso bato nyonso. Lui qui était acclamé comme roi. Lui qui a opéré des miracles. Qui a fait de grandes choses. Oh frère. Devant la femme qui était appelée sa mère. Frère Branham m'a dit que quand on les met sur les statues là. On met un petit linge tout autour. C'est faux. Il était complètement nu. Amen. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas l'accepter. Mais lui, il l'a accepté. Et pourtant, il était Dieu. Oh, mes bien-aimés. C'est pour que vous puissiez voir l'amour que Dieu vous a aimé. Afin que vous puissiez lui abandonner votre vie. Il a même accepté qu'on relâche Barabbas. Le coupable. C'est comme s'il a pris la culpabilité de Barabbas. Et il lui a donné la délivrance. Il dit, Barabbas, moi je vais prendre votre place. Et toi prends ma place. Sois libre. C'est ce que Jésus a fait. Toi qui devais être condamné. Qui devais souffrir. Mais non. C'est lui qui prend ta place. Parce qu'à cause du péché, la sanction pour le péché, la peine pour le péché est tellement forte qu'aucun humain ne peut supporter ça. Si ce n'est que Dieu lui-même. Oh, mes bien-aimés. Paragraphe 30. Il dit, comme c'est terrible ce que le péché fait. Il sépare l'homme de Dieu. Et lui était le sacrifice d'expiation. Il devait être offert pour nos péchés. Il fut séparé de la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a crié. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné parce qu'il était couvert des péchés du monde. Il avait porté vos péchés. Et Dieu l'a abandonné. Il était seul. Et il a crié. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham m'a dit. Dieu l'a abandonné. Depuis Gethsemane. L'esprit qui était en lui. L'a quitté.
Maintenant, c'était Jésus qui était là, le corps. Dieu n'était pas là. Mais malgré cela, c'était le corps de Dieu qui allait être tué. Ce n'était pas le corps de Gabriel. Ce n'était pas le corps de Caïphe. Mais c'est le corps de Dieu. Il a été calomnié. On s'est moqué de lui. Il a été méprisé. Partout, on s'est moqué de lui. Un enfant bâtard. Et il ne pouvait pas se justifier. Mais toi et moi, quand nous en arrivons à ce niveau, à cause de l'évangile, on vous calomnie. Quel cri vous lancez? À cause de l'évangile, vous êtes injurié. Et quand vous ouvrez votre bouche, qu'est-ce que vous dites? Mais lui, il n'a pas ouvert de bouche. Il était comme un agneau qu'on menait à la boucherie. Et pourtant, il était Dieu. Pilate l'a même interrogé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher. Oh, quand il est arrivé à ce niveau-là, Jésus a ouvert la bouche. Parce que ici, maintenant, c'est la parole de Dieu. On peut l'injurier, dire n'importe quoi. Il n'a pas bougé. Mais quand il a dit que j'ai le pouvoir, dit, non. Tu n'as aucun pouvoir. Si mon père ne vous les donne pas, et tel que vous me faites ici, c'est mon père qui l'a voulu ainsi. Vous ne le faites pas de vous-même. C'est mon père qui vous a autorisé de le faire. Je devais passer par ici, par ce chemin, parce que j'ai un but que je veux. Je suis en train de viser quelque chose. Je ne regarde pas la souffrance. Je ne regarde pas aux choses de ce monde. Je regarde là où je vais. Quelque chose m'est réservé. Je dois avoir une épouse. Une épouse glorieuse. Sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais pour la voir, je dois passer par la fournaise. Je sais ce qui m'arrive. C'est passager. Pour avoir mon épouse, je dois donner ma tête pour qu'on la coupe. Je dois mourir. Mais je sais que j'ai un pouvoir à moi. Ce pouvoir, je peux vous donner ma vie. J'ai encore le pouvoir de la reprendre. Jésus connaissait ce qui lui arrivait. Il n'y a rien de hasard qui lui arrivait. Il était sûr par où il passait. Oh frère, il est venu ici pour une mission. Et il devait accomplir la mission. Quand Dieu lui a montré cette vision, comment il était flagellé, comment on crachait sur lui, comment on le tapait, il lui a montré la vision. Quand Jésus a regardé ça, il a dit, oh Père, enlève-moi cette coupe. Oh frère. Mais finalement, il a dit, toutefois, que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Car c'est pour ça que je suis venu sur la terre, pour passer par cette épreuve. Et l'apôtre Paul nous dit, ce qui est resté à Jésus dans la chair, nous devons l'accomplir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si Jésus continue à vivre sur la terre jusqu'à aujourd'hui, il devrait souffrir continuellement.
Mais cette souffrance là maintenant, c'est sur son corps, sur son église. À la place qu'il ait la honte, maintenant c'est toi qui dois accepter la honte. À la place où il devait mourir, il devait pleurer. C'est toi maintenant qui dois pleurer. Tu dois accepter ça. Même si tu es critiqué. Parce qu'on l'avait critiqué. Même si tu es calomnié. Parce qu'on l'avait calomnié. Toutes les souffrances par lesquelles vous passez, Jésus est passé par ça. Si vous avez faim aujourd'hui, lui aussi avait faim. Si vous êtes malade aujourd'hui, lui aussi était malade. Oh, mes bien-aimés, pourquoi? Comme si vous ne savez pas que vous étiez chrétien. Et pourquoi ce soir, nous voulons vous faire comprendre que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Même si quelqu'un ne vous connaît pas, il vous injurie. Acceptez ça. Il m'a injurié parce que je suis chrétien. Vous ne menez pas une autre vie. Vous n'êtes pas sur cette terre comme un bandit. Non. Vous marchez sur la terre comme un chrétien. Comme une chrétienne. Alors tout ce qui peut arriver à un chrétien, cela doit arriver. Accepte ça. Dis seulement à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi tout simplement. Pour que je puisse passer par ces épreuves. Mais souvent nous pleurons. Nous crions. Oh Dieu, enlève ça. Oh Dieu, enlève ça. Mais tu vas passer par des épreuves quand? Tu passeras par la fournaise ardente quand? Alors que nous devons marcher sur le même chemin que Jésus a marché. Il n'y a pas un autre chemin. Lui-même a dit, je suis le chemin. Où est-ce que tu veux passer pour aller à Dieu? Vous passez par Jésus. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça dit que vous devez vous identifier à Jésus. Tout ce que Jésus était, vous devez l'être. Oh frère, c'est ça la vie chrétienne. Vous cherchez quelle vie? Quelle vie vous cherchez? Je suis dans ce jour-là sur le calvaire. Au paragraphe 44. Le grand point important, c'est ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez saisi ça? Le calvaire a réglé le problème du péché une fois pour toutes. C'est terminé. C'est pourquoi quand je dis que je n'ai pas de péché, c'est à cause du calvaire. Quand nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher, c'est à cause de ce qui s'est passé au calvaire. Lui-même a déjà réglé la question. Mais le diable vient pour essayer de vous intimider. Oh, tu as commis le péché. Oh, tu as péché. Quand il te dit ça, et retourne seulement au calvaire. Montre le diable. Et regarde au calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a pris tous les péchés. Ce que toi tu appelles le péché. Il a pris tout ça. Et il est allé avec ça dans le séjour des morts. Il n'y a rien qui reste dans le monde comme péché. Pour les enfants de Dieu. À moins que vous ne compreniez pas l'œuvre du calvaire.
Ekologota. Oh mes frères. Bande konangai. L'homme avait été trouvé coupable du péché. Moto atanga makimo kwa isami na masumu. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Et on ne pouvait trouver personne sur cette terre qui était digne. Personne. Et au paragraphe 53, il dit: enfin un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire, quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé et que la question du péché a été réglée pour tout. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il a jamais aspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'est pourquoi, frère, tu peux croire au prophète et t'arrêter au prophète. Tu ne changeras pas. Le prophète n'a rien fait pour toi. Il n'a pas versé le sang pour toi. Il n'a pas souffert pour toi. C'est pourquoi, quand vous arrivez au prophète, passez le prophète. Allez plus loin. Jusqu'au calvaire. Voyez cette personne qui est venue dans le monde. C'est lui seul qui a réglé les problèmes du péché. Et il a dit: celui qui croit en moi, il ne péchera pas. Et il ne mourra pas. Parce que nous mourons à cause du péché. Mais lui a déjà enlevé le péché. Quand Jean l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous êtes un enfant de Dieu, si réellement vous avez rencontré Jésus-Christ, quand vous avez cru ce message, si réellement vous avez rencontré Jésus, car c'est là où se trouve le problème. Allez jusqu'à rencontrer Jésus. Beaucoup viennent rencontrer l'église. D'autres viennent rencontrer un prédicateur. D'autres rencontrent les pasteurs. D'autres rencontrent les prophètes. Et il ne change pas. Parce que la personne qui doit te changer, c'est celui-là qui est mort à la croix pour toi. Aucun autre homme sur la terre n'a le pouvoir de te changer. Ce pouvoir-là est donné seulement à un seul homme.
C'est pourquoi le calvaire est toujours significatif pour nous jusqu'au jour de l'enlèvement. Au gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Pâque, c'est un événement glorieux. Jésus devait mourir. Il ne veut pas mourir parce qu'il devait mourir. Non, c'est à cause de toi et moi. La première chose, nous étions des pécheurs, nous étions sous les jus de Satan, nous étions sous dans la prison de Satan. Qui pouvait nous libérer? Il fallait payer un prix. Mais quel est le prix? C'est le prix du sang. Le sang de Dieu. Alors, il a fallu que Dieu devienne un homme. Ce n'était pas un plaisir. Vous étiez cher pour Dieu. Pour vous racheter, il s'est donné lui-même. On l'a ridiculisé. Aujourd'hui, quand tu es ridiculisé, tu deviens, je ne sais pas quoi, tu exploses. Tu cherches des raisons. On m'a fait ceci. En tout cas. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons l'œuvre du calvaire? Le calvaire signifie. Toi. Yo. Tu ne vis pas. Tu es déjà mort. C'est Jésus qui vit en toi. Et pourquoi toi tu continues à vivre? Quand tu parles de moi, c'est que tu vis. Alors, aujourd'hui, Lelo, ce soir, pourquoi, oh yo, tu dois accepter de mourir. Car c'est nous qui devrions mourir à la croix. Mais la peine était tellement forte. Vous ne pouvez pas la supporter. Mais quelqu'un est venu. Il a pris ça pour nous. Pas pour que tu puisses rester là où tu étais. Mais pour te faire sortir. Et t'amener maintenant quelque part. Et aujourd'hui. Que le diable ne vous trompe pas. Satan a causé. Vous n'êtes pas le sujet du diable. Vous n'appartenez pas au diable. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Le sang de Jésus a été versé. À moins que vous ne croyez pas ça. Mais je vous dis que c'est la vérité. Un jour, il y a eu un homme en Israël qu'on appelait Jésus-Christ. On l'a crucifié. Et on lui a percé les côtes. Et le sang a coulé. Ça, c'est la première chose. Pour le calvaire. On t'a racheté. Tu es un racheté de l'éternel. Et la deuxième chose. On a réglé les problèmes du péché. Même si tu es vivant dans ce monde. La Bible dit. Les enfants de Dieu. Ne pêchent pas. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Il dit, mais qu'est-ce que vous appelez péché? Oh, je fume. Oh, nazome la makaya. Ça, ce n'est pas le péché. Oh, je vole. Naibaka. Oh, ça, ce n'est pas le péché. Oh, j'injurie les gens. Non, ce n'est pas le péché. Mais c'est quoi péché aujourd'hui? Le péché? Est-ce que vous avez vu Ève fumer la cigarette? Est-ce que Ève s'est battue avec quelqu'un? Est-ce que Ève a volé quelque chose? Mais c'est elle qui a péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ève n'était pas fumeur. Elle n'est pas allée boire de l'alcool. Mais Ève était incrédule à la parole de Dieu.
Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Elle a fait le contraire. Donc, elle a été incrédule à ce que Dieu a dit. Et si quelqu'un croit réellement à la parole de Dieu, il ne sera pas incrédule à la parole. Par conséquent, tout ce que vous appelez péché, on ne le verra pas dans sa vie. Frère Branham me dit, s'il n'y a pas une loi qui dit que ne passez pas ici et que moi je passe là-bas, est-ce que j'ai péché? Non. Parce qu'il n'y a pas une loi qui m'interdit. Amen. C'est lui qui appartient à Jésus-Christ, qui croit en Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit. Tout ce qu'on appelle loi, lui, il est au-dessus de ça. Amen. Donc, dans sa nature, il ne peut pas fumer. Par conséquent, la loi qui dit qu'il ne fume pas, cela ne le concerne pas. Dans sa nature, il ne peut pas injurier quelqu'un. C'est sa nature. Il a reçu de Dieu. Mais la loi qui dit qu'il n'injurie pas, elle est toujours là. Mais elle n'est pas pour lui. Parce que la personne a reçu une autre nature qui l'a élevé au-dessus de ce qu'on appelle loi. C'est ça le chrétien. C'est pour cela que les chrétiens ne pêchent pas. Parce qu'on l'a élevé au-dessus des lois. Les lois sont restées trop bas là-bas pour les pécheurs. Vous voyez, frère, que Dieu nous aide. Le calvaire, Golgotha, si vous pouvez le saisir, vous sortirez d'ici aujourd'hui sans péché. Ça ne dépend pas de vous-même. C'est lui le créateur qui vous dit ça. C'est comme s'il vous donnait une information. Vous ne savez pas ça. Maintenant, il vous informe que vous n'êtes pas pécheur. Parce qu'il a versé déjà le sang. Il est mort à la croix pour que vous ne puissiez pas avoir le péché. Et il a pris les péchés que vous avez sur lui. Il n'y a rien qui est resté dans le monde. Et non seulement il a pris ça sur lui, il est allé avec ses péchés et il les a remis au propriétaire du péché, le diable. Satan, diabolo. Dit les péchés. N'est pas venu de Dieu. C'est toi qui as amené le péché au jardin d'Éden. Alors moi je suis venu pour ôter le péché de mes enfants et te remettre tes péchés. Tu peux aller avec ça sur tes enfants à toi pour qu'ils aillent dans les boîtes de nuit, pour qu'ils puissent fumer, pour qu'ils puissent se quereller, qu'ils puissent s'entretuer. Tes enfants à toi, mais mes enfants à moi, ce sont les enfants de paix. Il ne peut pas faire ces choses-là parce qu'ils croient à ma parole. Ils ont la foi à ma parole. Et celui qui croit en moi, il ne peut pas pécher. Satan, tu as compris? Satan a dit à mes ordres, à tes ordres, mes chefs. Alors, vous, enfants de Dieu, et réjouissez-vous. Alléluia! Donnez gloire à Dieu, parce qu'il vous a racheté. Vous n'êtes plus esclave de Satan, parce qu'il vous a racheté et il a réglé les problèmes du péché. Le péché, ce n'est pas pour toi. Même si le monde te dit, est-ce que toi vraiment tu ne peux pas pécher? Dis-lui, je ne peux pas pécher, parce que Christ est mort à la croix à cause de mes péchés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous allons nous lever, frère. Oh, ces jours-là au calvaire.
Quand Jésus a été enseveli, la Bible dit, la parole de Dieu dit, Bible lobi, le bananzambe lobi, qu'il a emporté tous mes péchés. Amema ki masumu na nga nyonso. Au loin. Mosika. Loin de la présence de Dieu. Mosika na bozai na nzambe. Il est allé les mettre dans la mer de l'oubli de Dieu. C'est lui qui croit en Jésus. Qui confesse ses péchés. Même s'il a tué des milliers d'hommes. Et si Dieu l'appelle. Et qu'il vient à Dieu. Il se repent de ses péchés. Terminé. Et si lui, Dieu oubliera tout ce qu'il a fait. Et il va le considérer comme s'il n'avait jamais fait cela. Pourquoi toi tu continues à te souvenir de tes anciens péchés? C'est que tu n'as pas encore rencontré l'homme de Galilée. Tu n'es pas encore arrivé au calvaire. Ce soir, je t'invite au calvaire. Je t'invite au calvaire. Pour que tu puisses rencontrer l'homme de Galilée. Et tu ne seras pas la même personne. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Il te changera. Il te changera. Il te changera. Parce qu'il a promis cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et bonheur par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang.
notre Dieu.
sang de Jésus a coulé pour toi, mon frère. Le sang de Jésus a coulé pour toi, ma soeur. Regarde tout simplement au calvaire. Regarde au calvaire. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Jésus a tout accompli pour toi. Ce soir, si Dieu peut te révéler la signification du calvaire, mon frère, ma soeur, ce sera une grande joie pour toi aujourd'hui. Tu auras la paix en toi-même. Rien au monde ne peut te troubler à cause du calvaire. Même si tu es malade ce soir, il est écrit par ses maîtrisures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Même les problèmes des maladies, il a réglé cela au calvaire. Oh, pourquoi ne pas te réjouir pour la Pâque? Quel événement glorieux! Quel événement glorieux, mon frère! Si Dieu peut te donner la révélation, quand vous allez quitter ici, ne soyez pas distraits. L'œuvre du calvaire a été accomplie une fois pour toutes. Tous les privilèges qu'un chrétien devait avoir, c'est à ta portée. À cause du calvaire, toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible, c'est le calvaire qui est la porte. Pourquoi tu dois souffrir? Quel est ton problème que le calvaire n'a pas résolu? Quel problème que tu as ce soir? D'où ça vient? D'où ça vient ton problème? Où est-ce que tu es allé ramasser ça, mon frère? Dieu lui-même est descendu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour résoudre ton problème. Et même les problèmes de la mort, le calvaire a résolu ça. Oh frère, oh ndeko, ma soeur, ndeko nanga ya mwasi, qu'est-ce qui te tourmente? Eloko nzali kotukisa yo. Regarde au calvaire. Tanga Golgotha. Tes tourments seront terminés. Minoko na yeko sila. Dis à Jésus. Loba na Yesu. Tu as réglé cela pour moi. Osisa ki yango pona ngai. Tu as résolu les problèmes. Osisa ki yango pona ngai. Je n'ai plus de problèmes. Asuna likambote. C'est le diable qui vous trompe. Satana liko kosa yo. Même si tu as eu un mauvais rêve, ne te tourmente pas. Ne te crée pas de problèmes. Oublie seulement cela. Et regarde au calvaire. Celui qui est mort au calvaire, il est vivant. Il est au milieu de nous. Il vous conduit. Et il veut vous conduire. Ce soir, que chacun de vous sorte d'ici avec une nouvelle nature. Ne soyez pas comme vous étiez avant. Sinon vous rendez nul l'œuvre du calvaire. Quel est ton problème? Tu n'as pas de travail. Mais regarde au calvaire. C'est déjà réglé. Parle-lui. L'obélaïe. Oh mon frère, oh ndeko langa mobali, inclinez votre tête. Gumba moto. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Yesu. Oh. Gloire à Jésus Christ notre Dieu. Kembona Yesu Christ notre Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Matandi Kolo Yesu. Oh gloire à Jésus Christ notre Dieu. Kembona Yesu Christ notre Dieu. Oh mon Dieu mon roi. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci. Oh, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour l'œuvre de Golgotha. Oh, Jésus. Seigneur Jésus. Quel amour. Seigneur, révèle à chacun de nous le calvaire. Golgotha. Que cela soit dans la vie de chacun. Que cela rentre dans la vie de chacun. Oh Père. Oh Tata. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Marche devant nous, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur. Que nous ne sortirons pas d'ici, oh Dieu, tel que nous sommes entrés, parce que tu nous as révélé la signification du calvaire. Oh Père, oh Tata, à quel autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as payé le prix. Alors que nous étions encore dans ta pensée, mais toi tu as payé le prix pour nous. Oh Père, oh Tata, et nous croyons maintenant, Seigneur, que le péché n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont été rachetés, pour ceux pour qui le sang a été versé. Le péché n'a aucun pouvoir sur eux. Seigneur, bénis ton peuple. Marche avec ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Seigneur, tiens chacun par la main. Et conduis-nous, Seigneur, notre Dieu. Et quand nous allons sortir d'ici, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun de nous. Éloigne de nous la distraction de ce monde. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit autour de nous pour nous révéler cette œuvre du calvaire. Que cela puisse être ancré en nous. Oh, merci, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Soutiens chacun, Seigneur. Assiste chacun, bien-aimé. Que ce soit pour ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui sont loin d'ici, qui sont en train de nous suivre. Bénis chacun, Seigneur Jésus. Que cette semaine de Pâques soit une semaine glorieuse, une semaine de consécration, une semaine d'abandon à Dieu, une semaine de prière. Seigneur, accorde cela à ton peuple. S'ils ont été distraits pendant d'autres semaines de l'année, mais que cette semaine aide chacun, Seigneur, qu'il vienne dans ta présence, qu'il vive dans ta présence. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Nous croyons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Car c'est au nom de Jésus que nous avons demandé cela. Merci, Seigneur, notre Dieu. Bénis la parole qui a été reçue dans le cœur de tes enfants. Et maintenant, Père bien-aimé, il y a des paniers qui vont circuler. Seigneur, bénis ces paniers, sanctifie-les, Seigneur, et bénis tes enfants qui vont y mettre quelque chose. Seigneur, notre Dieu, il y en a qui sont venus à l'autel, Seigneur. Chacun a été touché dans son cœur. Il est venu avec un fardeau pour te les laisser, Seigneur. Reçois le fardeau de chacun qui est à l'autel, Seigneur. Et accorde à chacun ton jour à toi. Car ton jour est léger, oh Dieu. Que chacun quitte cet hôtel avec une solution à son problème, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Glorifie ton Seigneur, Père bien-aimé. Nous abandonnons entre tes mains. Et nous attendons à toi, Père. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ.
Pendant que les paniers sont en train de circuler pour les offrandes, Wana et Kolozali Kotambola pour Namakabo, nous allons chanter. Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que l'ennemi